Aujourd'hui, à haute sécurité, 100 000 personnes convergent sur les plaines d'Abraham. Cette année, les policiers ont mis des blocs de ciment. On prend pas de chance là-dessus. Un groupe de punk rock prend d'assaut le Festival d'été de Québec. Fumez le joint, garçon, je te vire de la salle. La dernière fois, c'est clair? Et la nature se déchaîne à Rigaud. Oh mon Dieu, ça a monté depuis tantôt. C'était pas comme ça, là. Pour des raisons de sécurité, tous les noms ont été changés. La ville de Québec est en mode festival. Le fête tire à sa fin et quelques gros noms de la musique rock sont en ville. Ça promet d'être un gros défi pour les agents de sécurité. Ça se passe bien? Un gardien responsable de tout ce qui est sécurité au cœur du FEC, Place Diouville, puis l'Impérial Bell. Il s'occupe aussi de tout ce qui est commanditaire sur rue, là, donc Grande Allée, nos pop-up FEC. Une véritable marée humaine s'apprête à envahir les plaines d'Abraham pour le spectacle de Metallica. Avec autant de monde au même endroit, les agents de sécurité doivent être prêts à faire face à toutes les situations possibles. Et avec les événements des derniers mois, impossible de ne pas penser à un potentiel attentat terroriste. C'est sûr qu'on a toujours ça en arrière de la tête. Ça fait plusieurs années, en fait, que le festival est prêt à ce genre de choses-là. C'est pas des nouvelles mesures qu'on met en place. On s'est ajusté un peu avec le temps. Cette année, les policiers ont mis des jerseys, des blocs de ciment. Il y a des véhicules aussi qui bloquent les accès. Puis nous autres, bien, de notre côté, évidemment, c'est d'être vigilant sur s'il y a des sacs à dos qui sont abandonnés, des choses comme ça. Ça m'est arrivé hier. J'ai trouvé un sac abandonné, un sac à dos. Et je me suis approché, j'ai regardé, il semblait vide. Effectivement, il était vide. Mais on prend pas de chance là-dessus. Là. C'est sûr qu'il faut faire la vérification. On a toujours eu des mesures de sécurité très élevées au festival. On a toujours fouillé les gens pour entrer. On a toujours été très proactifs au niveau de la sécurité. Donc, on n'avait pas un gros pas à faire là, pour être au niveau mondial. Là. En cas d'urgence, un plan précis a été établi. Pour des raisons de sécurité évidentes, on ne peut pas entrer dans les détails. À partir du moment où on a à évacuer, bien, les gens, on va leur demander d'évacuer. Puis nous autres, on va évacuer aussi vers des sites qui sont prévus pour ça. La tension sera aussi lourde ici, où un légendaire groupe de punk rock promet de donner un concert mémorable. C'est près de 1000 personnes qui bougeront au rythme effréné de la musique du groupe américain. Plus on met de monde, plus le QI est inversement proportionnel. Pour Fabien, qui est responsable de la sécurité, la soirée risque d'être mouvementée. Il connaît très bien les habitudes des spectateurs dans ce genre d'événement. On rajoute ça le facteur alcool, le facteur drogue, le facteur fatigue et chaleur. Ça fait un sacré cocktail pour que le niveau intellectuel soit drastiquement baissé. Comme ce soir, puisqu'il commence à avoir l'habitude, ça ne le dérange pas, il sera aux loges. Pas grave, il en a vu d'autres. Les qui vont pas mal être front stage, vu qu'ils ont la chape qui vont avec. On est toujours souriant avec les gens. S'ils font des bêtises, on les invite à s'arrêter une fois. On les avertit gentiment. La deuxième fois, on les prévient qu'on va les raccompagner à l'extérieur. Okay. Ancien militaire, pilote d'hélicoptère professionnel, premier répondant et pompier spécialisé dans les missions à haut risque, Fabien a une feuille de route tout droit sortie d'un scénario hollywoodien. C'est l'avantage, je trouve, d'être multifonction. On devient un petit peu comme un couteau suisse. On n'est pas forcément excellent dans une chose, mais on n'est pas mauvais dans plein de choses. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est l'heure d'ouvrir les portes. La foule est calme, mais tout le monde sait que ça ne durera pas. Mets-toi un peu plus en avant, s'il te plaît, toi aussi. Voilà. Les gens, on les accueille. Ne te mets pas derrière elles, sinon les gens ne viendront pas. Voilà, parfait. Le pire scénario, ça pourrait être un fou qui rentre dedans, qui serait passé à travers les mailles du filet, parce qu'on n'est pas infaillible. Il y a des fois 500 personnes qui attendent. J'ai 4 agents à la fouille, donc ça va très vite. Un couteau, c'est vite caché dans une chaussure, donc c'est un peu dangereux. Un fou pourrait faire n'importe quoi là-bas dedans. Chaque personne doit montrer patte blanche avant de pouvoir entrer. Le travail le plus important, c'est le premier filtre à l'entrée, où en fait on fouille sommairement les personnes. Et les agents trouvent à peu près tout et n'importe quoi. Comme des couteaux, des pinces,
des exactos, des cutters, enfin, il y a vraiment de tout dans les sacs parfois. Donc évidemment beaucoup de potes. Donc dans ces cas-là, on avise les gens qu'on va devoir détruire leurs cigarettes. Donc devant eux, on prend leur cigarette de pote, on la détruit devant la poubelle, on la jette. Donc ça, détruit. Tout liquide et contenant sont interdits pour éviter d'avoir en fait des objets qui pourraient être balancés sur la scène. Pour nous, le problème, c'est que elle risque d'être soit perdue, soit re-remplie, et ça devient un objet volant dans la salle. Quand on a le temps, on essaie de leur expliquer la raison pour laquelle c'est un réel danger. Les gens n'ont pas l'habitude, ne peuvent même pas s'imaginer ce que les gens mal intentionnés peuvent faire avec des objets complètement anodins. Une fois qu'on est sûr qu'il n'y a plus d'objets dangereux, qu'il n'y ait plus de drogue à l'intérieur de l'édifice, on peut les laisser rentrer. À une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Montréal, les problèmes sont d'une toute autre nature. La région de Rigaud est en état d'urgence, aux prises avec les pires inondations de son histoire. Les agents de Garda World sont sur place pour empêcher l'accès aux maisons qui ont été évacuées. L'évacuation a été faite hier par l'armée, les policiers de la Sûreté du Québec, les pompiers de Rigaud. Nous autres, c'est de s'assurer que les personnes qui ont été évacuées hier ne retournent pas chez eux et que des personnes qui voudraient aller piller les maisons passent aussi. Quand ils arrivent et ils voient qu'on bloque les gens et qu'on filtre les mondes qui rentrent, ça leur donne un sentiment de sécurité. Et ils peuvent aller un peu plus vers les centres d'hébergement avec l'esprit tranquille que personne ne va vouloir faire des dommages ou piller dans les maisons. Mais certains évacués l'ont été de force. Et ils ne sont pas heureux qu'on les empêche de retourner chez eux. Où est-ce qu'il y a de l'eau, je veux pas que vous alliez là. Même moi, je vois pas, j'arrête là avec mon camion. Il y en a qui voudraient pas sortir de chez eux, fait qu'ils sont un peu en colère. Mais quand c'est décrété un état d'urgence comme ça, puis que l'état d'évacuation forcée, bien, tu sais, le monde, ils peuvent pas retourner chez eux comme ça, sinon ils vont perdre le contrôle de qui est où, puis tout ça. On a une très bonne collaboration avec la SQ. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer puis il veut pas collaborer, eux autres arrivent aux minutes près, puis le problème se règle. Robert reçoit un premier appel. Quelqu'un a aperçu des gens en chaloupe rôdant proche des maisons inondées. OK, d'accord, je vais venir voir ça. C'est probablement des résidents qui essaient de retourner chez eux. Les pilleurs n'ont pas l'habitude d'opérer en plein jour. Ce que j'ai entendu dire des policiers hier, c'est qu'ils peuvent avoir une arrestation pour entrave s'ils font ça. Fait que on leur suggère pas. Premier indice, un véhicule stationné tout au bord de l'eau. Il y a du monde qui serait venu voir en chaloupe le pont, supposément, mais... Bonjour, monsieur. Est-ce que c'est votre voiture à vous, ça? Parce qu'il faudrait la mettre en avant des pancartes qui sont là-bas. Ici, c'est trop proche de l'eau qui monte, là. Et la route est barrée à partir d'où que les pancartes. Il faudrait laisser... OK, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Fausse alerte. Oui. D'accord, moi, je suis là, au bout de la Rihanna, présentement. Je vois pas personne. Personne, à part le bateau de la Sûreté du Québec qui patrouille le secteur. D'accord. Je sais que ces gens-là sont à bout, là, tu sais. Ça fait 3 semaines qu'ils se battent, là, pour... qu'ils dorment quasiment pas. Fait que... faut que tu comprennes ça, tu sais. Au retour, ça commence à brasser au spectacle de punk rock. On était 600 et quelques, donc on n'est pas loin de la capacité max de la salle. Donc à mon avis, avant le milieu de ce spectacle-là, on sera full. On va commencer à recruter du monde. Québec, on est en plein cœur du festival d'été. Pendant qu'au-delà de 100 000 personnes sont réunies sur les plaines pour voir et entendre Metallica, près d'un millier de personnes sont entassées sur le parterre d'une salle de spectacle pour danser au rythme du punk rock. La salle, actuellement, on est full, c'est 900 personnes. Et donc là, actuellement, on travaille en flux tendu, c'est une personne qui sort, une personne rentre. Et les personnes sont toutes avisées, évidemment, que quand elles sortent, même pour fumer, elles repartent au bout de la line-up. Quand ils rentrent, ils sont de nouveau fouillés. Parce qu'il y a des bars un peu partout, il y a des vendeurs de choses un peu partout. Jette-les.
Il n'y en a pas d'autres? Non. Vous n'avez pas d'autres sur vous? Non, confirmé. Merci, monsieur. Passez une bonne soirée. La récolte de la fouille est impressionnante. Fabien va mettre le sac à l'abri pour éviter que des fêtards reviennent y chercher leur butin. Attention, pardon. Place au spectacle. Pour garder une vue d'ensemble sur la salle, Fabien se positionne derrière la scène. Ça ne prend que quelques minutes avant que le parterre ne s'enflamme. Les purs et durs ne tardent pas à faire un mosh pit, un type de danse où tout le monde saute et se bouscule. Pour les agents de sécurité, la ligne est mince entre danse et violence. Je vais te demander de regarder un petit peu le public en bas, là. Et tu me préviens si tu vois des fumées suspectes s'élever de la foule, s'il te plaît. Ici, ça commence à sentir le pot assez fort. Malgré les fouilles à l'entrée, les plus malins ont réussi à passer avec de la marijuana. Pour Fabien, c'est comme se faire faire un bras d'honneur. Pas question de laisser passer ça. Comme c'est interdit de fumer dans la salle de spectacle, le coupable n'est pas trop difficile à trouver. Mais garçon, je te vire de la salle. C'est la dernière fois, c'est clair? La musique est très forte et avec les cris des spectateurs, on ne s'entend plus penser. Au moins, les agents de sécurité ont l'habitude de travailler dans ce genre d'environnement. On est tous équipés d'oreillettes à l'intérieur pour pouvoir discuter. On a des moyens de communiquer avec les lampes si on a besoin. Par exemple, on flash sur les zones de trouble, donc l'agent mobile. Un instant, s'il vous plaît. Les appels s'enchaînent. Cette fois, quelqu'un s'est fait verser une bière sur la tête. Fabien monte au balcon pour essayer de trouver le ou les coupables. Ça peut sembler anodin, mais une bière versée au mauvais endroit pourrait avoir des répercussions très sérieuses. La bière à l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait très attention avec l'étage en haut et les bières. Parce que ça, c'est très fréquent. Quand une bière nous échappe, qu'on n'a pas vu et que la personne, pas forcément méchamment, mais qui bouscule sa bière et qui arrose les gens en bas. Les gens montent très vite au créneau, ils veulent monter pour se battre. Voilà. Donc on essaie de calmer tout le monde en disant « Regarde, c'est un accident, regarde. » Quand on entend que chacun un peu les bières et tout ça, là, il y en avait quelques-uns qui avaient les bières dehors. Chose certaine, faire la gestion d'une foule comme ici demande une bonne dose de psychologie et d'expérience. Ça ne demande pas une science réelle en soi pour gérer une salle. Les gens fonctionnent comme nous. Une personne lambda, si elle a la sortie de secours à côté d'elle, mais qu'elle n'est pas rentrée par là, s'il y a une urgence, elle va ressortir par là où elle est rentrée. Parce que c'est l'accès qu'elle connaît. Et il va piétiner des gens pour ressortir par là où ils sont rentrés, alors que la porte d'entrée est juste à côté. Un mouton suit le troupeau et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. À moins de penser d'avoir un quart d'heure d'avance sur ces gens-là, pour me positionner l'agent, dire attention, s'il se passe de quoi, c'est là qu'il faut que tu sois. À Rigaud, la situation s'envenime. Sans relâche et sans pitié, l'eau continue de monter. Oh mon Dieu, ça a monté depuis tantôt. Oui. C'était pas comme ça, là. J'étais venu voir mon agent qui est ici, puis c'était pas comme ça. La région est en état d'urgence. La police, l'armée et la garde côtière sont sur place pour aider les sinistrés. Garda World aussi. On a commencé avec 5 agents, là on est rendu à 23. Et ça risque d'augmenter. Moi, c'est ma première fois que je vis quelque chose comme ça, d'assez gros, opérationnel, avec des dégâts d'eau. On y va au jour le jour. Sur la route, le patrouilleur Robert vient de recevoir un appel d'un de ses agents. Une résidente tente de retourner chez elle et Robert doit aller la raisonner. C'est par deux rues par là, c'est ça? Ben, j'ai eu un appel d'un de mes agents, comme quoi qu'il y a une madame qui voudrait aller sur son terrain pour voir si la pompe fonctionne toujours dans sa maison. Sauf que la maison est dans un secteur qui a été évacué de force. Personne ne peut y retourner pour l'instant. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui. Vous voulez aller à votre maison? Oui. Mais votre maison, et vous avez été évacuée? Oui. Le temps que les... Il y a des pompes qui fonctionnent. Oui, toutes les maisons ont des pompes, mais malheureusement, on ne peut pas retourner dans la maison après. Tant que l'ordre d'évacuation n'a pas été élevé, vous ne pouvez pas y retourner. Ça veut dire que moi, si mes pompes lâchent, je laisse courir ma maison parce que je ne peux pas y aller. C'est plate à dire, mais je suis obligé de vous dire oui, madame. Je vais appeler mon conjoint, là, parce que ça n'a pas de bon sens.
On n'a pas le droit d'aller chez nous. Ah, je te le dis. Oui. C'est un message difficile à transmettre et Robert, un géant au cœur tendre, ne veut pas en rester là avec la dame. Pour le vol, là, tout est surveillé 24 heures sur 24. Vous voyez, il y a quelqu'un. Je sais pas quoi vous dire cette année. J'ai hâte de pouvoir aller chez nous. Ouais. J'ai hâte de voir si j'ai pas trop de dégâts, c'est fatiguant. Bien, bonne fin de journée quand même, merci. Madame. Au revoir. Des gens dans leur fin fond, d'eux autres, qui pensent qu'ils pouvaient sauver leur maison, tu sais. Oui, ils pouvaient peut-être, mais il y en a qui pouvaient pas. Fait que s'ils peuvent pas faire des exceptions. Fait que... Au Festival d'été de Québec, le groupe de punk rock enflamme la foule. Les plus endurcis n'hésitent pas à se lancer dans le mosh pit, où tout le monde se frappe et se bouscule. Malgré les apparences et les craintes des agents de sécurité, tout se déroule dans la bonne humeur. Mais là, ça va bien. Oh, ça va super bien. Y a pas de problème. Non, non, non. Non, les gens, ça va. Ils se secouent. Je comprends pas. Mais pas ils se secouent. Ils se secouent comme des fous. C'est ça, le mosh pit. Tant que tu n'as pas 20 ans, tu comprendras pas. À mon époque, on appelait ça du pogo. Pourquoi moche pit? Ben, pit dans le pit. Ouais. Moche. Parce que c'est moche. Moche. Ah, c'est jeune. Mais si jamais la bagarre éclate, Fabien et son équipe sont prêts à agir. Les gens ne sont pas fous, en règle générale, lorsqu'il y a du trouble. Les personnes d'eux-mêmes s'écartent. En plus, c'est souvent eux-mêmes, nos yeux, ils vont nous prévenir. Il y a du trouble par là-bas, il y a quelqu'un qui nous... Il y a quelqu'un... Par exemple, ça m'est arrivé une fois, un monsieur qui regardait des filles. Il y avait beaucoup de jeunes filles, et le monsieur commençait à regarder les filles. Puis il checkait avec son téléphone. Donc on nous a prévenus, on est allés voir. Puis naturellement, les gens se sont écartés parce qu'ils généraient un stress. Donc du coup, ça nous facilite énormément notre travail. Même si y a beaucoup de monde, comme vous avez pu voir, avec la flashlight, on arrive toujours à se déplacer, puis à se faire un chemin. Surtout quand on marche assez vite, les gens se poussent naturellement. Puis une fois qu'on est sur la zone de trouble, en fait, si on a à intervenir, ben, on a déjà de la place, parce que les gens se sont écartés. En règle générale, 70% d'une intervention est faite avec le sourire. Si on a un bon sourire, qu'on a une bonne approche, il n'y a pas d'intervention. Vous invitez à sortir d'ici. En dernier recours, on utilisera la force. À Rigaud, la situation continue de se détériorer. Lentement mais sûrement, l'eau continue de monter au grand dam des victimes évacuées. Robert continue d'arpenter les rues en support aux 14 agents qui assurent la sécurité des lieux. Et parfois, au travers des histoires d'horreur, on trouve une fleur au milieu du bitume. Vous êtes résident ici? Oui. Vous n'avez pas eu l'évacuation forcée? Non. Non? Non. Non, parce que je suis au sec, puis... OK. Vous êtes un des chanceux encore sur le bord de l'eau de même, là? Oui, je suis chanceux. Là, je fais, à chaque fois que ça descend, je fais un petit peu de nettoyage. Ça contamine moins l'eau, puis... Ça en prend du monde de même, hein? C'est pour notre bien, hein? Ouais. Puis en même temps, ben, je check, tu sais. Ouais, vous faites, faites de la petite surveillance. Ouais, c'est ça, vu que je suis. Puis je vous remercie de votre coopération. Ah, bien. Écoutez, monsieur, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Oui. Ben, c'est pas facile pour personne. Non, non, regarde comme. Il y a la madame là-bas qui voulait aller voir ses pompes, mais on peut pas la laisser aller. Ben non. L'être humain est fait fort, ça. Oui, on traverse n'importe quoi. On s'en relève. Ah oui. On est fait fort. Ouais. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi, monsieur. Prenez soin de vous. Ben ouais. Ça va? Besoin d'aller aux toilettes un peu? C'est bon? Je peux me donner de l'eau, s'il te plaît? Il fait chaud. À
Québec, le spectacle de punk rock est presque terminé. Tout s'est bien passé. Il ne reste qu'à souhaiter que la foule sorte sans trop s'énerver. Au moment où on entend qu'il va y avoir le rappel, on ouvre les quatre portes. Déjà, ça va aérer un peu, là. Ça pue le pote là-dedans, là. Le plus gros défi, c'est ça, c'est que tout le monde sort, on ferme les portes, tout le monde est content. Et que notre directeur nous dise merci, super job. Là, je suis le plus heureux du monde. À quelques kilomètres de là, Metallica a aussi fini son spectacle. Pour minimiser un peu l'impact du départ simultané de 100 000 personnes, le festival d'été offre des spectacles de rue. Certains restent sur place pour regarder la scène, et avec raison. Les artistes de rue, il devrait y avoir beaucoup de gens. Normalement, c'est tranquille, les gens vont avoir les yeux rivés vers le ciel. C'est très impressionnant. Attention, le camion s'en vient ici. Tout le monde descendait en bas du mur. Ils passent dans les airs, mais ils vont pas assez proche, c'est trop dangereux. Le Festival d'été de Québec est sur le point de se terminer. Une autre année remplie de succès où quelques 300 agents de sécurité se sont relayés jour après jour pour garder l'ordre et veiller sur les festivaliers.